Moi, je suis très bavard, j'arrive pas à faire 10 secondes. Parce qu'on a un programme scientifique exceptionnel, c'est la meilleure des raisons. Les grandes nouveautés, principalement des séances plus courtes, plus punchy, des séances différentes des traditionnelles de 3 heures. Bah parce que le public de l'ADF, déjà, il se rajeunit, mais le côté cours magistral de 3 heures, un peu formel, un peu posé, il y a moins d'attente pour cela. Il y a deux formats que j'adore, c'est les battles. Donc là, deux conférenciers qui vont s'affronter dans quelque chose d'un peu théâtralisé, donc qui est quand même très, très novateur. Le grand débat dans le studio, un conférencier et le public tout autour de lui. Ça, c'est un petit côté arène, c'est génial. C'est une expérience pour le conférencier complètement novatrice, donc qui permet d'aborder toutes les questions. Mais c'est un vrai débat ouvert avec un petit côté ring. Donc c'est quand même très... Non, c'est hyper sympa, c'est super chouette. On a tous envie de changer avec notre monde. Donc on ne va pas rester comme des vieux fossiles. C'est très important de chasser l'ennui. L'ennui n'a pas sa place à l'ADF. On est là pour transmettre dans un esprit confraternel, un esprit amical et joyeux. Et l'ennui, c'est pas joyeux. Il y a deux grandes choses que j'avais demandé, c'était déjà d'avoir un très juste équilibre entre les universitaires et les libéraux. Et j'ai demandé une parité, si possible, homme-femme, conférencière-conférencier. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a plus d'étudiantes que d'étudiants, on a plus d'universitaires femmes qui sont nommées que d'hommes. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'ait pas la parité. C'est une façon aussi de renouveler un petit peu les têtes qui vont parler. Et ça, c'est pas mal. Être ouvert, être curieux, et puis profiter au maximum. Profiter au maximum du programme, changer, voilà, se faire une stratégie à l'avance. Un parcours fléché, c'est une thématique, un certain nombre de séances, des TP, des séances magistrales, des démos TV, sur une thématique de fond. Et là, on peut, sur plusieurs jours, suivre différentes séances. S'inscrire tôt, c'est de bénéficier de tarifs préférentiels, de pouvoir s'inscrire en étant sûr que dans les séances à nombre de personnes limitées, vous aurez une place, dans les TP notamment. Oui, c'est un Graal. C'est un Graal, c'est un honneur, c'est un immense honneur, c'est un Graal, et puis c'est travailler avec des amis, puis s'entourer de gens qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Et moi j'aime bien les challenges, sinon je m'ennuie.